Je sais pas si je te l'ai dit, mais la glissade de l'été, c'est un projet qui se passe partout au Québec. Des centaines de camps de jour ont accepté là, de mettre ça en œuvre dans leur planification. Et tu fais aussi partie de ce grand mouvement. Pour savoir si ça fonctionne bien et si ça amène du plaisir aux jeunes de faire ces activités-là, on va te demander au cours de l'été de remplir différents sondages parce qu'on veut savoir comment toi, tu as vécu ça aussi. Est-ce qu'il te manquait des outils? Est-ce que tu aurais aimé avoir plus de choix de livres, plus de choix d'activités? Qu'est-ce qui te manquait pour avoir encore plus de fun? Tes commentaires sont super importants pour nous. Tu fais partie du projet. Tu peux nous aider à améliorer le projet pour l'an prochain, valider le nombre de participants dans chacune de tes activités et voir si elles sont gagnantes pour les jeunes. Tu auras des évaluations à compléter. Et ça, c'est quand? C'est après chaque activité, à chaque semaine et à la fin de l'été. Trouve dans le guide de l'animateur les codes QR. Utilise ton téléphone cellulaire et prends en photo le code. Suis le lien proposé par ton téléphone vers les formulaires. Tu peux aussi utiliser notre site web trek.ca. Une fois rendu sur le site, utilise l'onglet « Événements » en rouge et clique sur « Maintien des compétences en période estivale ». Tu arriveras ensuite sur la page principale du projet. Tu peux consulter les outils et en descendant un peu plus bas, tu y retrouves l'évaluation des projets. Tu as l'évaluation hebdomadaire, l'évaluation par animation et l'évaluation finale. Allons ensemble compléter une évaluation. Prenons par exemple l'évaluation par animation. On appuie sur le bouton rouge pour y accéder. On se retrouve sur la page du questionnaire. Tu vas voir, c'est très rapide. Tu complètes les différents onglets et tu nous indiques les points forts de cette activité et qu'est-ce que tu aimerais améliorer pour celle-ci. Ensuite, tu pèses sur « Envoyer ». Et voilà, le tour est joué. Je pensais que la lecture c'était plate, hein? Mais je pense qu'on va avoir bien du fun! Fais-toi confiance!